Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, dans la campagne, mais ça date depuis très longtemps avec le Front National, Marine Le Pen se prétend patriote. Alors, est-ce que Marine Le Pen est patriote? Eh bien, ma réponse est non. L'explication en trois points. Mon premier argument, c'est que la plus grave crise qu'ait traversée dans son histoire la France, la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle les Français étaient martyrisés, assassinés, affamés par les nazis. Étrange alors que Jean-Marie Le Pen et sa fille entretiennent ou ont entretenu des relations amicales avec d'anciens SS, ceux-là même qui avaient martyrisé le peuple français. Point 2. Être patriote, c'est d'abord défendre des valeurs de la patrie. Et là, c'est le gros problème, car Marine Le Pen défend des valeurs de Jeanne d'Arc, des valeurs qui étaient sous le roi, hein, sous la monarchie. Or, la France est surtout connue pour les valeurs des Lumières, qui sont notamment à l'origine des droits de l'homme. C'est facile de dire je suis patriote et choisir la période de l'histoire sur laquelle on se repose. Et le terme français, d'ailleurs, vient des Francs qui viennent d'où? D'Allemagne. Point 3, ça ne vous a pas échappé, mais l'essentiel du financement de sa campagne provient de banques russes. On ne va pas se le cacher, ce financement, il est de toute évidence en provenance de Poutine et de l'État russe, qui est bien content de pouvoir instrumentaliser un homme, en l'occurrence une femme, politique française. Comment être patriote? Dites-le-moi, hein. Je vois pas, mais comment être patriote au service d'un État étranger? Donc voilà, je viens de vous exposer les trois points essentiels qui font que pour moi, et je pense que ce sera évident pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo, Marine Le Pen n'est pas patriote.